La lecture, c'est un univers, mais il faut savoir y entrer. Ou plutôt, se laisser tomber. Êtes-vous prêt? Salut, j'espère que vous allez bien. Cette intro a été un peu compliquée à filmer, j'espère que vous l'avez appréciée. On continue ce défi lecture de 40 livres en quarantaine. J'ai avancé mes lectures, j'ai lu quelques livres depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, alors résumé de ces livres. J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. J'ai bien aimé J'irai cracher sur vos tombes de Vian. J'avais été quand même mitigé avec L'écume des jours. J'aimais le côté touchant du livre, mais le style d'écriture de Vian m'avait légèrement moins rejoint, on va dire. Mais dans J'irai cracher sur vos tombes, son style fonctionne très bien. Je trouve que les dialogues entre les personnages dans ce livre sont vraiment bien écrits, vraiment réalistes. Dans la première moitié du livre, on comprend le personnage principal de Lee Anderson et le contexte dans lequel il arrive dans cette nouvelle ville. Et surtout, on comprend son intention, son envie principale, celle de se venger. Il y a de la violence, c'est difficile à lire par moments, mais c'est un bon livre que je conseille. C'est court, ça se lit très bien, c'est super accessible et c'est bon. Donc, à lire. Le mythe de Sisyphe de Albert Camus. C'est terriblement difficile de décrire ce livre à sa juste valeur. Il faut dire que je suis un fan de Camus. J'ai adoré L'étranger. J'adore les idées de Camus, j'adore la philosophie d'Albert Camus. Et son mythe de Sisyphe, c'est des mots sur une philosophie de vie qui me rejoint énormément. Camus décrit l'absurde, l'absurdité de la vie, l'absurdité de l'existence humaine. Et au début de l'essai, Camus nous dit que ce constat, le constat du non-sens de l'existence, a déjà été établi par beaucoup de philosophes et d'auteurs dans le passé. Il va parler de philosophes comme Jaspers, Heidegger, Kierkegaard, Chestov, Scheller. Il fait un tour de leurs idées et du constat qu'ils ont tous en commun, c'est-à-dire qu'il y a un grand problème de causalité et de fonction à l'existence humaine. Et toute la force de Camus vient après ce constat-là. Parce que là où pour beaucoup de penseurs, la conclusion c'était d'invoquer un dieu, par exemple, ou encore de tomber dans le nihilisme, pour Camus c'est différent. Camus nous dit dans son mythe de Sisyphe qu'il faut accepter, qu'il faut embrasser l'absurdité de la vie. On connaît l'histoire de Sisyphe qui avait été condamné par les dieux à pousser une pierre jusqu'au sommet d'une montagne et puis une fois arrivé au sommet, laisser la pierre retomber jusqu'en bas et recommencer et ce processus à l'infini. Ce que Camus nous dit par rapport à Sisyphe, c'est qu'il faut l'imaginer heureux. Il faut l'imaginer heureux au moment où il redescend la montagne pour recommencer sa tâche. Il faut l'imaginer avec un sourire. J'adore Camus, j'adore son mythe de Sisyphe. C'est un livre qui change une vie. Je le dis très ouvertement, immense livre. Tellement immense que j'ai fait une folie. Ma copine est extrêmement bonne en dessin et elle fait des tatouages. Et je lui ai demandé de me tatouer le mythe de Sisyphe sur l'épaule. Ça a donné ce tatou. J'en suis très content, très fier. Et donc,
pour la vie, je vais être marqué de ces idées. L'idée du recommencement des cycles, de la tâche, mais avec le sourire, mais avec une acceptation profonde. Merci beaucoup à ma copine qui fait des tattoos. Elle est extrêmement bonne. Elle est à Montréal. Pour ceux qui, par hasard, aimeraient avoir des tattoos après le confinement, son Instagram de tattoo va être en description. Vous pourrez aller la suivre et lui écrire si jamais vous voulez prendre rendez-vous. Ça va lui faire extrêmement plaisir. Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. J'ai pas aimé les lettres à un jeune poète de Rilke. Je l'ai dit ouvertement, mais c'est subjectif, c'est mon avis. Il faut faire quelques petites précisions sur la vie de Rilke et sur le contexte de ce livre. Ce livre n'a pas été écrit de son vivant. C'est un ensemble de lettres qu'il a écrit à un jeune poète alors que Rilke était dans la fin vingtaine et qu'il avait un petit peu de succès avec sa poésie et ses livres. Il a répondu donc à cette correspondance de ce jeune poète pendant quelques années. Après sa mort de Rilke, le jeune poète en question a rassemblé quelques-unes de ses lettres et a publié en son nom ce livre. Donc, c'était pas la volonté de Rilke de publier en tant que tel ce livre. Ça, c'est un contexte quand même important à avoir en tête. Dans la dizaine de lettres qu'on a dans ce livre de Rilke qui s'adresse au jeune poète, il lui donne des conseils sur l'art, sur la poésie, sur la création et sur l'ouverture de soi quand on crée quelque chose, quand on crée une œuvre. Mais j'ai pas aimé ce livre. J'ai trouvé que les conseils de Rilke avaient un ton condescendant, prétentieux, suffisant. On a l'impression que Rilke, dans son ton, dans ses lettres, a trouvé la formule unique pour créer. La seule formule qu'on peut suivre si on veut écrire ou si on veut créer. Et ça m'a agacé. Ça m'a fait sortir un peu du livre. Ça peut vous intéresser si vous êtes en création, en écriture. Personnellement, ça m'a moins rejoint. Le monde de Sophie, de Justine Gardner. C'est un des livres les plus marquants et qui m'a appris le plus de choses dans ma vie, sans aucun doute. C'est un tour de la philosophie, de l'Antiquité, en passant par la Renaissance, le Baroque, le Romantisme, le siècle des Lumières, jusqu'à aujourd'hui. Justine Gardner fait un portrait de tous les plus grands philosophes et de toutes leurs plus grandes idées. C'est vraiment un cours d'introduction à la philosophie qui est ultra accrocheur, qui est ultra poignant. Je vous dirais que l'histoire sous-jacente du personnage de Sophie est extraordinairement poignante. En fait, on est, en tant que lecteur, impliqué directement dans l'histoire et c'est vraiment intéressant. C'est extrêmement bon. Je le recommande vraiment, vraiment fortement à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la philosophie, aux questions existentielles. C'est un excellent livre qui est assez long quand même, 620 pages quand même. Ça m'a pris 3 jours à lire. Mais c'est remarquablement bon. OK, on a fait une petite ellipse dans le temps. On est le samedi 11 avril et j'ai avancé mes lectures. J'ai lu 2 nouveaux livres. C'est parti pour le résumé. Le café toujours. J'ai pas mon livre. Discours de la méthode de Descartes. Malheureusement, le livre est en train de se briser complètement. Je l'ai acheté usagé. Il était vraiment usagé. Bon, il faut dire que cette œuvre a été publiée en 1637. Ça fait presque 400 ans que ces réflexions philosophiques de Descartes ont été publiées. Ils ont eu un grand impact philosophique et aussi en littérature et pour tous les penseurs qui ont suivi Descartes avec sa raison, avec sa philosophie de la rationalité, a beaucoup influencé beaucoup de gens. Dans ce livre, il y a le discours de la méthode de Descartes, mais il y a aussi ses méditations qui sont comme 2 œuvres séparées. Les méditations, il les a écrites quelques années après. Ça a été réuni dans ce livre. Théoriquement, ça serait donc 2 livres, mais je l'ai réuni dans un seul pour ce défi. Je peux essayer de vous résumer rapidement les pensées de Descartes. Je ne suis aucunement expert. Je vais le faire du mieux que je peux. Descartes croit fondamentalement en notre raison. Il croit qu'on peut uniquement arriver à une vérité sur le monde et sur l'existence en utilisant notre raison et non pas en se fiant à nos sens. En effet, Descartes croit que nos sens sont trompeurs. Par exemple, quand on rêve la nuit qu'on est sur une plage en Jamaïque, on a vraiment l'impression d'avoir le vent, l'océan, le sable. Tous nos sens nous donnent cette impression de vérité, de réalité, alors qu'on est pour vrai dans notre lit en train de dormir. Et donc Descartes nous met en garde par rapport à nos sens. Et Descartes aimait beaucoup les mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, et donc pour lui, pour aborder le monde, pour appréhender l'existence, il faut d'abord réinitialiser complètement son esprit et adopter une méthode de réflexion très précise, la méthode de Descartes, qui se divise en 4 volets. Premièrement, tout ce qu'on observe ne doit pas être accepté comme étant une vérité. On doit uniquement arriver aux vérités avec notre raison. Deuxièmement, face à un problème philosophique, face à un questionnement, on se doit de diviser ce problème-là en petites parcelles, le plus de parcelles possible, et ainsi répondre à la question en répondant à ces toutes petites
division de ce même questionnement. Troisièmement, pour Descartes, il y a un ordre qui est très important quand on réfléchit. On doit commencer par les problèmes les plus simples, les plus accessibles et monter comme ça en complexité pour arriver aux vérités complexes et fondamentales de la vie. Quatrièmement, on se doit de tout organiser, de tout inclure dans une grande organisation globale nos questionnements. Donc, quand on parle par exemple des êtres humains, on doit parler de premièrement toutes les espèces vivantes. On doit organiser et diviser toutes les espèces vivantes au complet. On doit arriver aux mammifères. On doit diviser ensuite les mammifères en tant que famille, etc. Bon, pour Descartes, on doit vraiment organiser notre pensée, organiser chaque élément de notre pensée dans des groupes. C'est vraiment important pour lui. C'est donc ces quatre volets de la pensée qui sont hyper importants pour Descartes et qu'il établit dans son discours de la méthode. Ensuite, Descartes arrive à certains constats. Le premier constat, c'est le suivant. Je pense, donc je suis. Parce qu'on est capable de remettre en question les choses, parce qu'on est capable de réfléchir, il doit donc y avoir une âme, il doit donc y avoir une existence au moins de nous-mêmes. Donc, je pense, donc je suis. Bon, après, Descartes m'a légèrement perdu quand il commence à essayer de prouver l'existence d'un dieu dans son livre. Il y a vraiment une grande partie du livre, surtout dans les méditations après, où Descartes veut vraiment prouver avec la raison l'existence de Dieu. On a un peu de difficulté à suivre Descartes dans certains raisonnements, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que comme on est imparfait et qu'on peut s'imaginer un être parfait, on peut s'imaginer l'idée de quelque chose qui serait parfait, cette idée-là doit exister, le parfait doit exister, et donc le parfait, c'est Dieu pour Descartes. C'est très simplifié, mais c'est en gros cette idée-là du parfait et de l'imparfait. C'est là où sa philosophie me rejoint un petit peu moins, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes idées là-dedans. C'est très dense, c'est des passages qu'il faut relire définitivement. Bon, là, peut-être pas cette édition-là qui se brise sous mes mains. Voilà pour Descartes, une lecture que je recommande quand même à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie, aux idées. Voilà. Ensuite, hier, en soirée, j'ai lu un deuxième livre, plus léger, Zazie dans le métro, de Raymond Queneau. C'est vraiment très, très bon, ce livre. C'est vraiment très, très drôle. C'est vraiment très bien écrit. C'est écrit comme une pièce de théâtre. Il y a énormément de dialogues dans ce livre. L'histoire est très simple, mais elle part à la fin surtout dans une vraie d'absurdité totale. C'est extrêmement drôle. On se croirait dans un livre de Kafka à la fin. Ce livre, c'est le style de Salinger avec les univers de Kafka réunis. Ça se lit rapidement. C'est accessible. Ah! C'est accessible. Je le recommande absolument. OK. On est le lundi 13 avril. Il pleut dehors et j'ai terminé mon 14e livre de ce défi 40 livres, La Peste de Albert Camus. La Peste est une œuvre colossale. C'est un livre qui est déchirant, qui montre l'incroyable impuissance des êtres humains face à des maladies, face à des ennemis qui sont invisibles et qui sont beaucoup plus forts que nous. On dirait que tout le monde relit ce livre en ce moment et avec raison, parce que dans la crise actuelle, ce livre est d'autant plus pertinent, d'autant plus frappant, d'autant plus fort. Les mots de Camus sont universels. Parce qu'au-delà de l'épidémie, c'est l'humain face à l'adversité, c'est le regroupement des humains et son organisation face à des choses qu'il dépasse, et la capacité de chaque être humain à injecter du sens dans les événements plus grands que lui. Et pour ça, ce livre est juste incroyablement bon. Il y a des chapitres particulièrement difficiles, violents, injustes. On a envie de se lever, de se révolter face à l'injustice de la maladie, mais c'est... Camus, encore une fois, est excellent. Je vous propose un extrait du livre que j'ai choisi vers la fin du livre, lorsque les habitants de la ville d'Oran ont presque surpassé, on va dire, la maladie. C'est quelques mots qui ont beaucoup résonné en moi. Donc je vous laisse avec ça et on se retrouve très bientôt pour la partie 3 de ce défi lecture. J'espère que vous allez, d'ici là, tous vous porter très bien. À mesure que les gerbes multicolores s'élevaient dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.